Et on se retrouve très bientôt avec un clip de l'espace. Mais genre littéralement, parce que j'ai vraiment réalisé un clip qui... Florent, salon, tout de suite. Faut vraiment que tu viennes voir ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est pas pour rien. Quoi ? Non mais je rêve ! Quoi ? Non mais je rêve ! Je t'avais dit que c'était une dinguerie. Il a perdu la boule ? On dirait bien. Tu l'as trouvé où ? Dans la rue. Dans cet état ? Ouais. Mais c'est toi qui l'as... Mais non ! On sait jamais avec toi. Va lui parler. Mais pourquoi moi ? C'est toi qui l'as trouvé comme ça, hein ? J'ai essayé, mais tu sais la patience que j'ai avec lui. Kylian ? Oui ? Putain, mais c'est pas lui du coup ? J'étais en train de déguster un morceau du délicieux nouveau fromage de chèvre musicalement. Sa pâte moelleuse, son délicieux goût frais, sa faible teneur en lactose. Ce qui en fait le fromage idéal à partager entre amis. Et plus si affinité. C'est Maître Frelon, un barde du Moyen-Âge. Merci, mais on croyait que c'était Kylian qui jouait un rôle jusqu'à maintenant, alors... Non, guys. Moi, je suis juste cascadeur sur la chaîne. Ouais ? Et c'est moi qui ai écrit la plupart des vidéos sur cette chaîne, et je suis pas au courant. Je croyais que c'était un projet de Christophe à la base. Non, mais en même temps, on peut pas vraiment nier le fait qu'on est tous présents dans la même pièce ensemble, et lui aussi. Ok, mais donc c'est qui ? Personne ne sait. Eh ben, on va lui demander, alors. Bonjour. Florent, enchanté. Ça, c'est Christophe. Maître Frelon, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes arrivé ici ? Se ressemble un peu, non ? Qui ça ? Florent et le maître, là. Non. En plus, c'est marrant. Maître Frelon, c'est l'anagramme parfait de Florent marié. Mais arrête, tu sais même pas ce que c'est un anagramme. Alors, il est bon, ce fromage ? Il est dégueulasse. Très bien.